écoutez-moi bien tous. On vient de passer le Golden Gate. On arrivera dans moins de 20 minutes. Je vous en donne 10 pour sécuriser le matériel et vous préparer à l'atterrissage. Compris? Je veux que tout soit prêt dans 10 minutes. C'est très bien, c'est inacceptable. Dois-je vous rappeler qui je suis? C'est quoi ce bordel? Je me moque de votre protocole. Vous êtes là pour m'aider. Et c'est ce que vous allez faire. Rampé, Zelda. Quel est le problème, Von Bach? Vos hommes manquent de discipline, Capitaine Grant. Je veux récupérer mon équipement. Mes pillages et moi partiront dès que nous aurons atterri. Le Liberté n'est pas votre jet privé. Tout est rangé. On n'a pas le temps de sortir vos affaires. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, Capitaine, vous avez l'ordre de faire ce que je dis. Mes ordres viennent de mes supérieurs, des gens à Manhattan vêtus d'uniforme, comme ça. Ils m'ont chargé de vous protéger pendant que vous cherchez votre prétendu Arkatek. Prétendu Arkatek? Ne doutez pas de moi, Capitaine. Vous voyez ça? Grâce à cette arche-mère et toute la technologie qui m'est récupérée dans la baie, je réparerai le monde. Et je serai un héros, bien sûr. Cette zone est à accès limité. Allez vous asseoir. S'il arrive malheur à mon équipement, j'enverrai la facture à vos supérieurs. Mais quel connard. Bougez-vous, les gars! L'heure tourne! Vous vous croyez où là-dedans? Allez à vos places tout de suite! Vous deux, venez! À vos ordres. Vous aussi. J'ai dit tout de suite. Minute, Capitaine. Ce pillarche ne porte pas votre uniforme adoré. Vous n'avez pas à lui donner d'ordre. Désolé pour le malentendu. On y est presque! Attachez-vous! Je ne vous ai pas encore parlé de votre implant égo. Il faut... Qu'est-ce que c'est? Chef, on vous demande sur le pont! Je crois finalement que je vais m'asseoir. Quand on aura atterri, ne bougez pas. L'activation d'égo peut être déroutante quand on n'y est pas préparé. Accroche-toi, Cass. Ça se présente mal. Respire, ça va aller. Oh, mais comment ça s'ouvre, ce machin? Oh, Staco, t'es en vie? Moi, c'est Cass Dukar. Tout va bien? J'ai vu ta capsule atterrir. Enfin, c'était plus un crash qu'un atterrissage. Je pensais te retrouver embouillé là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Oula! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tu m'entends? Tu ferais mieux de t'asseoir. Viens, assieds-toi avant de tourner de l'œil. T'as dû prendre un mauvais coup à la tête pendant le crash. Repose-toi un moment. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. Au fait, je te conseille de trouver de meilleures armes. Les gens du coin sont pas accueillants. Bonjour. Bien, maintenant vous pouvez m'entendre. Je perçois votre nervosité, mais n'ayez crainte. Je suis le dispositif Envirogardien Online qu'on vous a injecté. Vous pouvez m'appeler Ego. Ah, excusez-moi, je dois vous prévenir qu'il peut y avoir quelques couacs au début, quand on essaye de tout activer. Mais je m'occupe de tout. On a du pain sur la planche, alors commençons tout de suite.
monde qui m'emmène ici sur Défaillance 2050. J'avais joué la bêta fermée et j'avais pas parlé parce que c'était un stream que j'avais fait sur Mixer. Et moi personnellement j'ai aimé bien. Il y a beaucoup de contredits avec ce jeu vu qu'il était sorti sur 360 et beaucoup de gens disent que c'est un copier-coller. Mais malheureusement je n'ai pas eu de chance de le jouer sur le 360. Alors je le joue sur le One. Moi personnellement la bêta moi j'aimais bien, la bêta fermée tout comme ça, les serveurs tenaient bien le coup pour un bêta fermé. Pendant les gros événements on était quand même plus de 150, même des fois 200 joueurs sur un événement. Ça s'est bien passé, j'ai pas eu de lag, j'ai rien eu, ni de freeze, ni quoi, qu'est-ce, comment, comme certains autres MMO quand il y a beaucoup de gens sur le même serveur. Je citerai pas de nom. Et je me suis dit pourquoi pas, je relaisse un chance. J'ai passé un peu le tuto tout à fait au début, malgré que je suis qu'à niveau 3, et je crois que sur la bêta fermée, j'étais quand même monté à 10, je crois. Malheureusement, je sais pas récupérer le perso que j'avais fait sur la bêta fermée, qui me dérange légèrement quand même. Mais bon, ça c'est un autre point de vue. Et là, on a récupéré déjà notre voiture, parce que je voulais déjà passer cette étape pour vous. À la limite, je mettrai un petit truc en plus hein, en dessous ici, maintenant, qui va hyper vite. Alors, moi j'aime bien, moi ça change un peu quoi. La République de la Terre a une mission à confier à un agent extérieur. Je sais où aller, en route. Oui, là on est à la recherche de le professeur Foudingue. Pédale au plancher. Avec notre écho. Et wouhou! Et si je me rappelle bien, aussi, il y a moyen d'améliorer notre voiture aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça hein, que moi j'aime bien. Quoi. Moi j'aime bien. J'aimais bien la bêta pour celui-ci. Le seul truc que je trouve, c'est que les ennemis sont légèrement plus forts que je pense. Ah! Tu. Really? Tu viens d'où, toi? Là, c'est pas ma voix, hein. Allez! Really? Attends, moi je... Ça commence bien. Moi, je suis en dessous d'un... caché derrière le truc. J'arrive pas à te toucher. Par contre, toi, tu y arrives. Allez. Vous avez rendu un sacré service à la République. Ouh ! Hey ! Faut prévenir, hein ? Il prévient pas ce soir. Bon, apparemment il y a quelque chose par là. Bing. Bing. Pion. Mais il faut parler tout le temps à elle, c'est elle qui fait le fameux truc pour essayer de trouver ce médecin complètement fou. Si je me rappelle bien, je crois qu'il y a un mini événement là. Je détecte un signal de détresse. Les hommes de grande oh. Ah non, c'est non, c'est même pas un mini. On doit les aimer. C'est même pas un mini événement, maman, prout. Ah, je prends mon temps là. Really? Bon, ils ont un léger problème là, à ce niveau-là, avec le truc de viseur là. Là, ils ont changé quelque chose depuis la bêta, c'est pas possible. Et ouïe.
Ah oui, faut le... Ah oui, c'est vrai, il est tombé lui. Je croyais que j'étais foutu. Ben vous étiez pas vraiment d'un grand aide, hein. On redémarre ce camion et on vous rejoint aux ruines de la clinique. Wow, 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 wow. Mais ces monstres m'empêchent de l'atteindre. Installez ces émetteurs et revenez me chercher. Nos radios sont mortes. Alors une fois l'ennemi neutralisé, tirez une fusée depuis le toit pour prévenir l'équipe médicale. On s'occupera du reste. On va retrouver le matériel médical. Mais faites attention aux mutants sur la route. Ah non. Et ça va, oui. C'est pas ça qui explose, c'est quoi ce connu là? Ah oui, c'est ce qui me semblait, ça explose. Really? Ouais, ça va pas. Apparemment, il respawn tout le temps là. C'est bon? Très bien. Ils auront besoin de ça sur le terrain. Non, j'ai que toujours niveau 3. Oh. Ok, aïe. Ok, ça fait un peu mal quand même. Hein. Oh, tu montes ta sale tête? T'es juste derrière moi. Wow! T'es obligé de recharger au moment même qu'il faut pas. Bah oui Kim, sinon c'est pas du jeu. Ouais. L'équipe de la République de la Terre est là. D'où est-ce qu'ils sortent ces hélicos? Eh, ce sont des mutants! Je suis complètement dépassé! Tous à couvert! Il faut qu'on élimine les ennemis de la zone. Merde! Je suis touché! Vous êtes nombreux quand même, hein! Il y a une armée complète, hein! Vous êtes que deux! Mais qui t'a demandé de descendre aussi? T'es biais ou quoi? Je détecte d'autres mutants en approche. On a raté. Really? Ah ouais, tu te relèves tout seul, toi. Ben, j'aurais raté ma grenade, là, ça c'est clair et net. Ben, c'est vrai que vous êtes un armée complet, hein. Deux gars. Il m'envoie deux gars. Bien.
arrête. Zone sécurisée. Bien joué. Hé, hey, ramène-toi au temple des rêves. Ils ont toujours des problèmes de radio. Et je peux les aider. Il y a un défi par ici. Ce genre d'épreuve vous permet de mesurer vos performances ah oui. à celle de Tropillage. Ça, c'était chouette, ça, les histoires de défis, là. Les mutants reviennent à la charge. Il y a encore un. Yes. Vous avez trouvé du matériel inhabituel. Il est plus efficace que l'équipement ordinaire. Oh bon, c'est bon là. Vous avez fait quoi? Vous avez ramené toutes les mobs ou quoi, les gars? Bah, de toute manière, on a réussi. C'est quoi ce Binks? Pourquoi il y a encore? Oh! Il y en a encore un. Ouais, ça va, non, il dégage. Ha! Et comme ça, en réalité, pendant tous les maps, t'as des mini trucs comme ça à faire. Comme vous pouvez voir, on peut ramasser des trucs pas mal. Really, tu arrives à me viser jusqu'à là, quoi? J'ai une aggro comme mon Deva ou quoi sur ce jeu? Et franchement, moi j'aime bien. Ça fait un peu côté Fallout aussi. Ça c'est quoi? Je sais pas. Ah, t'as les histoires des défis et tout. Comme je dis, moi j'aime bien. Je sais pas pour vous. Si vous voulez que je continue, vous savez quoi faire. Et je vous dis bisous, bisous.